Bonjour. L'engagement de Fonds d'Action est à l'effet que l'ensemble de ces investissements contribuent à soutenir, promouvoir et encourager le développement durable de l'économie québécoise. Dans ce contexte, je suis particulièrement fier de vous annoncer que le rendement à l'actionnaire pour les 12 derniers mois a été de 8,1%. Et la valeur de l'action, qui était à 11,22 au dernier semestre, atteint maintenant 11,58. En date du 30 novembre 2017, Fonds d'Action compte plus de 138 000 actionnaires. L'actif net atteint donc 1,8 milliard de dollars. Les résultats que Fonds d'Action dégage pour le semestre et le rendement positif sont le fruit à la fois d'investissements de 1,2 milliard en développement durable dans les entreprises québécoises, de la qualité de l'accompagnement de notre équipe, et de placements judicieux aussi diversifiés que responsables sur les marchés financiers. Par exemple, Fonds d'Action s'est porté acquéreur d'obligations vertes dans les titres à revenus fixes que nous détenons, ce qui constitue un outil supplémentaire pour financer la transition énergétique. Effectivement, et ça vient s'ajouter à des investissements que nous faisons notamment dans la mise en service de véhicules électriques, la construction et la rénovation écologique, l'énergie éolienne, la biomasse, le biogaz. L'ensemble du Québec tire parti de la diversité des secteurs et sous-secteurs dans lesquels nous investissons. Pour chacun de nos investissements, nous prenons en compte les impacts sociaux, environnementaux, économiques ainsi que territoriaux, car il n'y a pas de développement durable sans ce respect des êtres et du milieu. C'est grâce à la confiance des travailleuses et des travailleurs québécois qui nous confient leur épargne si Fonds d'Action peut tenir ce rôle de chef de file en développement durable. Merci à tous nos actionnaires.